Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, les exercices de type 2-2, c'est-à-dire études de doc et apport de connaissances. Vous êtes prêts? C'est parti! Cet exercice de type 2-2, c'est-à-dire étude de documents avec restitution de connaissances, concerne à la fois la génétique et l'évolution des espèces. On va parler d'un petit animal qui s'appelle le diable de Tasmanie. On nous dit que le gouvernement australien, écoutant les conseils des scientifiques, a décidé de créer une réserve pour y faire vivre 200 diables de Tasmanie, Sarcophilus haricite, au nord de Sydney. À partir de l'étude du dossier et de l'utilisation des connaissances. Petit 1. Expliquer le mécanisme à l'origine de l'évolution de la population de diables de Tasmanie. Indiquer les objectifs de la création d'une réserve pour les diables de Tasmanie au nord de Sydney en Australie. On vous force le plan de votre rédaction. Vous avez deux parties à traiter. Vous n'êtes pas forcément obligé de respecter l'ordre imposé. Maintenant, vous allez voir qu'il est logique. Pour traiter correctement ce genre d'exercice, il faut être très méthodique. Il va falloir sortir des informations de chaque document et en faire ressortir des déductions des notions. Donc, pour vous organiser, vous prenez votre feuille de brouillon. Vous la divisez en deux grandes colonnes et pour chaque document, vous allez écrire vos constatations, vos déductions et vous verrez qu'à la fin, toutes les notions seront écrites, vous n'aurez plus qu'à les organiser. On commence la lecture avec le premier document. Voici un diable de Tasmanie. On nous dit que les diables ont disparu d'Australie depuis 400 ans. Protégés depuis 1941, ils ne vivent plus que sur une île située au sud de l'Australie, la Tasmanie. Les scientifiques estimaient avant 1996 que l'effectif moyen de l'espèce avoisinait environ 50 000 individus. On nous met une petite carte pour nous guider. L'Australie, Sydney. On fait un zoom sur l'île de Tasmanie. On nous dit que sur l'île de Tasmanie, on a une zone où les diables ont toujours été absents et une zone où ils sont présents. Et ici, on a un parc national du Mont William. Donc, de ces infos, finalement, qui sont qu'une des infos de présentation, on va retenir l'essentiel. Les diables étaient absents d'Australie depuis 400 ans. Ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà eu un déplacement de la population, disparition d'un premier territoire, et donc que c'est une espèce en danger. L'espèce est protégée depuis 1941 sur une île. On est toujours dans la notion d'espèce en danger. 50 000 individus avant 1996. Et là, on a une date, attention. Problème en 1996, il s'est passé quelque chose qui a augmenté sans aucun doute la disparition du diable de Tasmanie. On passe au document 2 qui en fait est composé de deux documents, on a le 2A, le 2B. On y va, document 2, le cancer de la face, une maladie inquiétante. Bon, allez hop, on parle de cancer, maladie inquiétante, ça touche les diables, c'est ça qui a causé la disparition. Évolution de la population de diables entre 1985 et 2005. À partir de 1996, les scientifiques ont observé une augmentation des décès de diables liés à un cancer de la face, donc un cancer du visage. Les chercheurs pensent que la cause de celui-ci est un virus que les diables se transmettent lors de bagarres pour la nourriture. Ça, c'est important. Apparue sur le site du parc national du Mont William, voire document 1, cette maladie s'est progressivement propagée à l'ensemble des populations de l'île. Ce virus est totalement inconnu en Australie. Donc si on reprend la carte, ça veut dire que dans la population du parc national du Mont William, il y a eu les premiers cas dus à un virus et que ça s'est propagé à l'ensemble de l'île et que ce virus-là, il est absent en Australie. On voit tout de suite où ils vont nous emmener. Si le virus est absent de l'Australie alors qu'il est présent sur l'île et qu'il crée des dégâts sur l'île, on peut tout de suite comprendre que l'Australie, qui à l'origine était un territoire occupé, peut-être maintenant un territoire propice à la sauvegarde de cet animal. Pour le document 2A, donc on retient que l'Australie ne possède pas le virus, que le virus s'est propagé dans l'île de Tasmanie. On va donc avoir la notion que le territoire de l'Australie est un lieu sain, sans virus, donc idéal pour sauver l'espèce. On continue la lecture. Évolution de la population de diables dans 4 régions de Tasmanie. Vous avez ici la fréquence des diables en unité arbitraire, les années. D'accord? Et donc, ils ont passé la limite 1996, date à partir de laquelle on a constaté apparemment une diminution de la population. Donc, on vous donne ici 4 populations, population du nord-ouest, de l'est, du centre et du nord-est. Ok, vous avez des petits symboles pour reconnaître, mais vous avez un graphique avec des points. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des points? Vous les reliez. Alors, on va prendre 4 couleurs, population du nord-ouest, en triangle. Allez hop, on relie, on fait son boulot de matheux. Tac. En jaune, population de l'Est. Tac.
En rose, population du centre. Tac. Et en bleu, population du nord-est. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a deux populations qui perdent énormément en effectifs et deux autres beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Que ces populations ici, jaunes et vertes, c'est-à-dire de l'Est et du Nord-Ouest, si elles étaient beaucoup plus développées, elles n'ont pas su résister à l'infection du virus. Alors que ces populations centre et nord-est sont un peu plus résistantes. Et là, où est-ce qu'ils veulent nous emmener? On est dans l'idée d'une espèce menacée. Donc, si on doit prélever des animaux pour les mettre dans une réserve et les protéger, on va prélever des animaux où sur l'île? Si on localise rapidement les quatre populations sur l'île, eh bien, les deux populations les plus fragiles, on avait dit, donc, la population de l'Est et du Nord-Ouest, à savoir jaune et verte, elles sont fragiles. Et les plus résistantes, c'est Nord-Est et centre, donc ces deux-là. On a donc ici une évolution en fonction des groupes de population. Or, vous savez que quand les populations s'isolent, elles se reproduisent qu'entre elles. Il y a des petites modifications génétiques. On a donc ici des populations qui sont certainement légèrement génétiquement différentes. Et il y en a deux qui sont capables de résister un peu mieux. Ce sont donc dans ces populations-là, la bleue et la violette, où on va prélever des animaux un peu plus résistant au virus. Donc à retenir toujours de ce document de vague, en 1996, on a eu la baisse des effectifs constatée sur l'île de manière générale, que les populations du centre et du nord-est sont plus résistantes. Donc dans votre rédaction, il faudra mettre les valeurs chiffrées, vous exploitez le graphique. Hein, là, vous donnez des valeurs chiffrées. Donc les populations tournent environ à 0,5 unité arbitraire, alors que les populations du nord-est et de l'est, elles tombent à 0,1 unité arbitraire. Donc vous donnez des valeurs chiffrées. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'infection en 1996 par le virus a déclenché des cancers qui ont entraîné des morts. Que si on doit faire des prélèvements d'individus à sauver, ça va être dans les deux populations centre et nord-est de l'île. On continue, document 2B. Bon, j'ai eu un petit problème d'impression, il manque le titre exact, je m'en souviens plus trop, mais globalement, on a des statistiques sur l'île de Fraissinet. L'île de Fraissinet, c'est où? On revient au document là. Tiens, c'est ici. Donc on est sur une péninsule en fait. Oui, j'ai marqué île, je me suis plantée, c'est péninsule. On est sur une péninsule, c'est un petit bout de terre coincé au milieu de la mer. Souvenez-vous, Cyrano de Bergerac, que dis-je? Je ne sais pas un nez, c'est une péninsule. Bref. On a des petites bestioles là qui sont isolées, mais vraiment isolées géographiquement. Et donc ici, le cancer de la face due à un virus a fait d'énormes dégâts. Regardez, ici nous avons l'évolution des effectifs de la population de diables sur la presqu'île de Fraissinet. On voit qu'en 2001, nous étions à 0,75 unités arbitraires. En 2011, on est à 0. Et il y a marqué dessous, ce modèle appliqué à l'ensemble des régions de la Tasmanie donne exactement le même résultat, mais à l'horizon 2017. Oui, bon, d'accord, c'est un vieux sujet qui a 4 ans. On s'en fout, l'essentiel est l'étude de DOP. Ça veut dire quoi? Que sur l'ensemble des régions de Tasmanie, toute la Tasmanie, on va avoir le même résultat à l'horizon 2017. Ça veut dire que d'ici quelques années, les diables de Tasmanie vont totalement disparaître de l'île. Il est donc urgent de les sauver. Sur votre brouillon pour le document 2B, vous avez donc marqué disparition totale sur la presqu'île de Fraissinet en 2011. Donc on a ici une disparition rapide due au virus. Ensuite, on a la même évolution pour la population de l'île totale. Ça devient urgent. Il faut sauver l'espèce. La question maintenant va être de... comment faire? On prend le document suivant, des cellules contaminées non détruites par le système immunitaire. Les chercheurs ont constaté que les cellules contaminées par le virus n'étaient pas détruites par le système immunitaire. En temps normal, ça l'est. Je vous rappelle que le système immunitaire est capable de détecter les virus planqués dans les cellules. Dans ces cas-là, ce sont les LT qui s'en occupent, qui deviennent donc cytotoxiques et qui font exploser les cellules. Donc ici, on a des virus qui se planquent et les cellules du système immunitaire ne sont pas capables de les détecter. Ils ont essayé d'en comprendre la cause. Pour cela, ils ont étudié la diversité allélique d'un gène codant pour une protéine jouant un rôle dans la destruction des cellules contaminées par des virus. Une grande diversité des allèles de ce gène permet chez les mammifères d'avoir dans une population une grande diversité d'individus. Certains sont capables de détruire ces cellules contaminées par un virus, d'autres non. Donc ça, c'est important. Une grande diversité des allèles de ce gène permet
d'avoir dans une population une grande diversité d'individus capables de détruire les cellules contaminées. Vous êtes soldat, vous n'avez qu'une seule sorte d'arme. Vous vous en sortez? Il vaut mieux en avoir plusieurs à son arc de corde. Donc ici, si on a des individus suffisamment différents génétiquement, ils vont pouvoir produire des protéines suffisamment différentes et pouvoir mieux s'adapter aux cellules contaminées. Donc mieux s'adapter à la lutte contre ce virus. Document 3, diversité génétique chez l'homme, le lion asiatique, le diable de Tasmanie. Les chercheurs ont estimé la diversité de ce gène commun à l'homme, au lion, au diable. Pour cela, ils ont comparé le nombre de mutations dans la séquence codée par ce gène. Comparaison chez trois espèces du nombre de mutations dans une portion de ce gène. Ah, alors là, ça se complique un peu. On a ici nombre de mutations, position du triplet de nucléotides dans la séquence du gène, diable de Tasmanie, lion asiatique, homme. C'est compliqué. Eh bien, vous allez remettre des couleurs, ce sera plus facile. Voilà, donc j'ai mis en orange le diable de Tasmanie, en vert le lion asiatique, en jaune l'homme. Et qu'est-ce qu'on constate? Quel que soit le triplé de nucléotides dans la séquence du gène, alors si vous vous souvenez plus ce que ça veut dire, ça. Ok, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez le graphique, soyez logique. Nombre de mutations. Le diable, il est en orange. Et à chaque fois, quelle que soit la position sur le gène, le diable de Tasmanie a beaucoup moins de mutations que le lion ou l'homme. Or, vous savez que la diversité génétique, elle passe par les mutations. Ça, vous l'avez appris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va retenir? La diversité allélique permet une meilleure défense. Donc, si on veut sauver les diables, il faut qu'il y ait une forte diversité. Or, le problème, c'est qu'on n'a pas la diversité. On manque de diversité dans notre population de diables. Ici, techniquement, on a la notion de sélection naturelle. Chez le diable, le nombre de mutations est inférieur aux autres espèces. On rejoint la notion de manque de diversité. Donc ici, on a la notion de diversité allélique. Au sein de quoi? D'une espèce. Donc on a la notion d'espèce, la notion de population, mais également la notion d'individu à mettre dans notre dissertation. On a également ici la notion de sélection naturelle. Seuls ceux qui possèdent les bonnes molécules pouvant attaquer les cellules infectées pourront se défendre, donc vont survivre. On a la notion de sélection naturelle. Il en découle également que la pression du milieu modifie la diversité des populations. Et oui, on a dit, il y a un virus. Le virus s'attaque à des populations de diables de Tasmanie et les tue. Donc on va encore plus diminuer la diversité allélique. On a donc ici la pression du milieu qui modifie la diversité allélique de cette population de diables, la rendant encore plus fragile. C'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas. L'effet domino. Et à terme, on a la notion que l'espèce disparaît si l'ensemble des individus disparaissent. Donc on commence à voir comment va se faire notre rédaction. Maintenant, on a des idées pour la solution pour les sauver. Il faut sortir une idée très précise et ça, c'est le dernier document. Document 3B, information sur la mise au point d'un vaccin contre le virus serait une solution possible. Bah oui, c'est un virus, on peut se vacciner. On stimule le système immunitaire, on crée des lymphocytes mémoire et on va s'en sortir. Les immunologistes préparent un vaccin pour lutter contre le virus chez les diables de Tasmanie. Cependant, ils sont soumis à une contrainte. Ah, contrainte. La mise au point d'un vaccin nécessite plusieurs années de recherche et ne sera pas utilisable avant 2020. 2020, on a un problème. Qu'est-ce qu'on a dit dans le document 2B? 2017, disparition totale sur l'île. Donc, est-ce que le vaccin est une bonne solution? Non, le vaccin aurait été idéal, mais techniquement, nous n'avons pas le temps de le réaliser. Et c'est là que vous voyez que nos petites notes et notre étude méthodique portent ses fruits. Nous avons ici dit en tout début que nous avions une espèce en danger qui provenait d'un territoire qui avait perdu ses diables depuis longtemps et que ce territoire était un lieu sain. Là voilà notre conclusion à notre deuxième partie. La proposition finale pour sauver le diable est donc de prélever des individus résistants dans les deux populations. On avait donc dit du centre et de l'est. Ces populations saines, ces individus sains, dépourvus de cancer de la face, on va les transférer dans une nouvelle réserve au nord de Sydney. Et à ce moment-là, on va redémarrer une nouvelle population sans les virus. Vous aurez donc compris qu'en réalisant une étude de doc méthodique, pour chaque document, dans l'ordre où vous les étudiez, vous marquez ce que vous comprenez, vous marquez en rouge les notions du cours qui vous viennent, vous avez
tout sous les yeux et vous pouvez à ce moment-là organiser directement votre rédaction. Allez, on a fait ça en combien de temps? Quelques minutes? Vous avez techniquement 1h30 pour rédiger cet exercice. Faites l'effort, prenez le temps de rédiger au brouillon les différentes constatations et déductions. Vous aurez tout sous les yeux pour faire votre rédaction. Et vous commencez votre rédaction et au fur et à mesure que vous avez écrit quelque chose, ça, tiens, ça je l'ai dit, pof, je barre, ça je l'ai dit, pof, je barre, ça je l'ai dit, pof, pof. Et à la fin, si vous avez tout barré, tout barré, c'est que vous avez vraiment tout dit, ce que vous aviez compris. Et donc, vous avez fini votre rédaction, vous pouvez conclure. Comment est-ce qu'on vous note pour cet exercice sur 5 points? On a un curseur de notation, on va d'abord lire votre copie, on va lire l'intro, la conclusion, on va voir si la conclusion répond à l'intro, si dans l'intro on voit déjà les amorces de votre plan, et ensuite on va voir si votre démarche est cohérente, démarche maladroite ou pas de démarche ou démarche incohérente. Organisez bien vos idées, faites des conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicard? Faites des transitions, écrivez des questions. On peut donc se demander quelle est l'influence du virus sur cette population. Et vous enchaînez, paragraphe suivant. Donc, si votre démarche est cohérente, que les éléments tirés des documents et issus des connaissances sont suffisants dans les deux domaines. Suffisant, ça ne veut pas dire complet. Suffisant. Vous avez vos 5 points. S'ils sont suffisants pour un domaine, moyen dans l'autre ou moyen dans les deux domaines. 4 points. Si votre démarche est maladroite, on ne comprend pas trop où vous voulez en venir, vous revenez en arrière, il manque des conjonctions de coordination. Que les éléments tirés des docs et des connaissances sont suffisants dans un domaine moyen pour l'autre ou moyen dans les deux, vous avez 3 points. Si les éléments sont moyens dans l'un des deux domaines et insuffisants pour l'autre, vous avez 2 points. Et si c'est insuffisant dans les deux domaines, 1 point. Et si vous n'avez rien mis, c'est 0. Donc franchement, vous voyez que là, comme pour l'exercice de type 2-1, si vous faites ça, si vous sortez les infos des documents, vous êtes déjà au pire dans la démarche maladroite. Vous avez sorti des informations, vous essayez de dire ce que vous pensez, même si ce n'est pas bien organisé, vous êtes entre 2 et 3. Franchement, pour être là, il ne faut rien vouloir faire.